nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, donne à ta servante Suzy Othil le repos éternel et que la lumière éternelle brille sur elle. Le voici devant le corps inanimé de notre fille et soeur, camarade, collègue. Le regard se tourne comme lui, la reprend auprès de lui. Elle est sûre, cette parole. Celui qui met en moi son espoir ne sera jamais perdu. Frères et sœurs, célébrons ensemble le Seigneur qui accueille Suzy Othil et renouvelons-lui notre espoir. Mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'ai mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le profondeur du pays vers toi, Seigneur. Pour le remercier pour tout ce que nous avons vécu avec Suzy Othil, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Le baptême reçoit Suzy Othil, qu'elle la conduise avec sa prière à la maison du Père. Prions le Seigneur. Pour Suzy Othil, notre fille, sœur, collègue, amie, et disciples du Christ, que le Seigneur lui accorde le pardon de tous ses péchés et l'accueil auprès de lui. Prions le Seigneur. La famille Akama en particulier, pour les amis et nous tous ici rassemblés, de la mort de Suzy Othil nous invite à préparer notre mort et à espérer à la résurrection. Ensemble, prions le Seigneur. En signe de cette foi et de cette espérance, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Sa face et affermis notre espérance de la voir près de toi. Aussi, Seigneur, te prions-nous,
sois au devant de tous ceux qui prendront le chemin en direction du village pour son inhumation. Sois le conducteur de tous les véhicules qui accompagneront ta fille, Suzy Odile. Et enfin, donne-nous de célébrer ses obsèques dans la plus belle des manières, dans le recueillement et la prière. Nous le demandons, toi qui vis et règne avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous le savons. Je vous salue Marie. Soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Ouais, c'est...
Partout on passe, c'est mal l'argent, là, on attend.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, comment on va? Rendez grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Nous pouvons le constater, lui-même conduit de la meilleure des façons ses obsèques. Il nous a conduits depuis Douala, avec la grande veillée, avec la levée du corps à la morgue à la Quintigny, hier avec une messe de veillée ici, et aujourd'hui, il nous donne la force, le courage d'accompagner à sa dernière demeure notre sœur. Dieu est bon, il est aussi miséricordieux. Nous le demanderons au cours de cette célébration de l'Eucharistie, de réconfort, nous qui vivons durement cette épreuve. Et l'intention, la première, qui sera celle du repos de l'âme de Suzy Odile Ndov Akama. La deuxième, la paix dans sa famille. Pour que notre prière de ce jour soit agréable à Dieu, frères et sœurs, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons que nous n'avons pas toujours cru à sa toute-puissance. Reconnaissons que nous n'avons pas toujours mis au devant dans toutes nos initiatives, mendiant sa miséricorde pour nous-mêmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais danser par parole, par action et par audition, vraiment péché. C'est pourquoi je suis de la Vierge Marie, des anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh Dieu,
pardonnez-nous, ainsi nous serons tes rachetés aux yeux. Oh Dieu, pardonnez-nous, ainsi nous serons tes rachetés. Marthe Christe, et qui vient racheter tes yeux, pardonnez-nous. La confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi à ton Fils Jésus ressuscité de mort. Affermis notre espérance de la résurrection de Suzy Lodile Ndopakama, ta servante, notre fille, sœur, collègue. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à craindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de ton offense. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus portant lui-même sa croix sortit en direction du lieu dit le crâne au calvaire en hébreu, Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas. Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope
et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli », puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père, les représentants de Sa Majesté, voilà, Majesté, le chef du village Balé, à qui j'adresse des paroles toutes personnelles et mon affection, ainsi que mes condoléances, distinguées autorités traditionnelles, civiles, religieuses, frères et sœurs dans le Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes endeuillés. Le drap et le manteau du deuil s'est abattu une fois de plus sur ce village de Balé et dans cette famille, cette grande famille, à travers la disparition de Odile, nous sommes en larmes depuis quelques jours. Et aujourd'hui, nous allons nous séparer de son corps physique, de ce qu'il y a comme représentation de sa personne de façon visible. Et nous sommes venus de partout pour essuyer les larmes de la famille. Toi comme une fanfare, oui, to come and help this family, to bury their son, their daughter, our sister Odilia. We want to thank you because of that. It's a sign of love, true love. Nous n'allons pas dire grand-chose. Tout simplement, laisser la parole de Dieu que nous avons écoutée. Get believe and die, you know, get last word. Die, no be lasting. Die in a some way where all man will take him. And we must take that way before enter for inside life. Là, c'est quoi? La vie, c'est quoi? La vie, c'est quoi si on ne peut pas construire un monde juste et heureux? La vie demeure d'ailleurs un mystère. Nous avons parlé du mystère de la vie. Et la vie est un mystère depuis l'origine jusqu'à son terme. La vie est un mystère et à la fin, la vie est un joie. Et comme il avait les lunettes comme moi, si il enlève, il se dit que c'est parce que les lunettes sont sales. Dès qu'il a nettoyé et qu'il remet les lunettes, le mort bouge encore l'autre main. Et le prêtre, on n'a même pas su qu'il avait la soutane. Parce que la longueur de ses enjambées, des pas, était plus grande que la longueur du cercueil. Parce qu'il fallait aller le plus loin que possible. Et justement, avant que l'enfant ne vienne au monde, il fallait faire qu'il ne meure pas. Mais tu ne peux pas. Ok, je vais à l'hôpital, je suis malade, on me donne un médicament et ça apaise ma maladie. Mais tout ce que je vais faire autour d'un corps ou sur un corps, va-t-il faire revenir le mort? Si c'était possible, je me mettrais à genoux pour dire, ouais, pardon, faites revenir ma mère, faites revenir mes amis, faites revenir Odile parce qu'elle a des gens qui l'aimaient. On ne peut pas. Bêta, garder le silence. Préparer sa part du jour, son ciel sur la terre. Et Sainte Thérèse disait, je passerai ma vie à faire du bien sur la terre. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Suis-je le premier à défendre les valeurs de la vie, à rechercher la paix ou bien la vie? Parce qu'ils n'ont pas pardonné.
et le cœur est là, on a attaché. On sait, comme une maman disait une fois, je vais lui montrer à Godoui, à Godoui, je vais lui faire, il va voir. Ça ne sert à rien. Lâchons prise, plus nous allons empêcher Odile, à Odile, d'accéder au ciel. Elle a besoin que du repos dans le pays pour aller au marché acheter. Mais je suis venu te chercher. Ah, c'est maman qui t'envoie? Non, c'est pas maman. Mon nom, c'est la mort. Je suis venu te chercher. Je n'ai même pas encore 15 ans. Tu viens me chercher que j'ai déjà fait quoi? Le monde dit, ok, je prends ta main. Non, ne prends pas ma main. Je prends ton père. C'est papa qui m'envoie souvent l'argent et quand je suis dans les problèmes. Sans lui, je ne serais même pas né. Non, pas ma mère. Je prends ta soeur. Ok. Allons à la maison que je demande à maman. Alors le monsieur, l'étranger personnage, se met à la suite de l'enfant et il est venu me chercher. Mais qui est cet homme? D'ailleurs, entre même dans la maison, monsieur, vous pouvez entrer, asseyez-vous. Elle lui a servi à boire, à manger. Et pendant qu'elle le faisait, son mari est rentré aussi du travail. Il a mangé, il a bu. Il n'a même pas eu le temps de dire pourquoi il est venu. Et beaucoup manger, beaucoup boire, plein de chop, plein de mimbo, plein de silip. Le voilà. Il se couche, il dort, il rentre. Et pendant qu'il dormait, l'enfant s'élève vers 3 heures. Il part dans le sac, monsieur, il fouille le sac et il prend le livre de la vie. Il voit que son nom était en tête. L'enfant bat son nom et met son nom dans 50 ans. En bas, loin au fond de la vie. À cause de cela, je ne vais plus commencer par en haut. Je vais commencer par en bas. On part en bas. Et on tombe sur le nom de l'enfant là. Lui était chinois. Est-ce qu'on peut fuir l'affaire là? Quand c'est l'heure, c'est ton heure. C'est ton heure. Tu vas faire n'importe quoi, c'est ton heure. Bêta, tu poses la question. Quand l'heure là va venir, tu iras au ciel ou en enfer? Et c'est chacun qui peut répondre. Parce que chacun sait. Oui, soit. Frères et sœurs, prions avec confiance le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts, son Fils unique Jésus-Christ. Prions-le pour Suzy Odile, que nous accompagnons aujourd'hui. Prions-le pour cette grande famille qui est dans la détresse. Prions-le pour ce village, Balai et ses habitants. Prions-le pour chacun de nous ici présents. Ensemble, prions. Enfant, fille de Tinsenebe, ben, il y a une chose, à Tine Momé, par la Sancho, ou Tine. Momé, à Jumon. Et à bon et à boire une dorée. Ajme, et au point même que, à Sorondo, à Natomo, à Dirouko, à San Wayashika. Je suis ton enfant, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur. Accorde le repos éternel. Ensemble, nous te prions.
Envoyer notre défenseur puisse planer sur nous et que nous puissions vivre chaque jour selon ta parole. Ensemble, nous t'avons prié. De l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour...